Terre-Neuve. Terre-Neuve mythique, un lieu mythique, entrée du Saint-Laurent, après une belle balade dans la mer du Labrador, un peu agité à la fin, mais là on arrive sur des lieux de légende. On n'aura peut-être pas de morue ce soir, mais ça fait plaisir de revoir des arbres, de revoir un peu des villages. Voilà. Ça fait combien de temps que tu es à bord maintenant? Ça va faire bientôt 15 jours, si je me trompe pas. Pas tout à fait, on est combien? 31, je pensais le 17, ouais, ça fait 13 jours. 13 jours à bord avec une escale à nuque. Et voilà, bon, on sent la fin arriver, pour nous, du moins, jusqu'à Québec. Enfin, il y a encore quelques jours de remontée à faire, mais ça va être une autre histoire maintenant. Et mon cœur bat. Voilà. Des arbres, ça saute aux yeux. Et puis aussi, les bouées rouges sont à Trimore quand on rentre dans le port à la place de Babor. Donc ça, c'est nouveau aussi. Ça faisait combien de temps que tu n'avais pas vu d'arbres? Depuis le départ, depuis que je suis arrivée à Québec. C'est-à-dire, c'était quand déjà? En septembre, début septembre. Un mois et demi. Oui, c'est ça. J'ai quitté la France fin août. Et mon cœur bat tan 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 tan. Et mon cœur bat tan 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 tan. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a toujours une excitation quand on arrive à découvrir l'endroit, c'est sympa. Il y a toujours un tas de conneries à raconter, donc voilà. Ah, puis François, il a du stock, hein. François, il a du stock, on l'arrête pas. Je sais pas comment il fait parce qu'il a... Bientôt 50 ans, 45 ans, 45 ans, il a toujours du stock de conneries à raconter. Il y a 45 ans. Ouais. Pourquoi il y a une vie après 45 ans? Bah, bien sûr. C'en est la preuve humaine. Et mon cœur bat tant.